Ils ont en commun leur souverainisme, leur opposition à l'immigration extra-européenne ou encore leur islamophobie. Au Parlement européen, les alliés de Marine Le Pen sont regroupés au sein du groupe Europe des Nations et des Libertés, co-présidé par le Français Nicolas Bay et le Néerlandais Marcel de Graaf. Parmi les partis qui le constituent, la Ligue du Nord, le mouvement du ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini. 6 eurodéputés italiens y appartiennent. Le mouvement du Néerlandais Geert Wilders, le Parti pour la Liberté, est également représenté avec 4 députés, tout comme le FPÖ, Parti de la Liberté, au pouvoir en Autriche, au sein de la coalition. Certains membres de UKIP, le Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, en font également partie. Avec 37 députés, dont 14 Français, Europe des Nations et des Libertés était jusqu'à présent le plus petit des groupes politiques européens. Mais à la faveur des élections européennes de mai, le groupe pourrait bien doubler son nombre de membres et atteindre entre 9 et 11% de représentation au Parlement.